Ainsi parle l'Éternel. Partagez la parole de Dieu avec vous-même. Le Seigneur vous parle, écoutez-le. Ainsi parle l'Éternel, le chemin du salut par la prédication. Amis des ondes, auditeurs, auditrices, internautes et téléspectateurs de la 4VEH, la Voix évangélique d'Haïti, plaisir à continuer à renouveler dans que nous pour nous rencontrer chaque jour pour présentation émission Ainsi parle l'Éternel à l'occasion de la fête de Pâques 2021 qui gagne pour thème La croix montraine, bon Dieu fidèle. Nous avons gagné plusieurs prédicateurs déjà qui passaient, qui bénissent nous. Je vous dis à nous avoir le plaisir pour nous recevoir le révérend pasteur Monel Alcira, fondateur et coordonnateur de la FONES, FONES, Fondation pour l'évangélisation les quatre saisons, et qui c'est également fondateur et coordonnateur de Molem Bible, qui c'est mouvement pour la lecture et la mémorisation de la Bible. Pasteur Monel Alcira, pour parler de sujet ça, les fait nous bien avec encore, les fait nous bien avec encore, d'après Romains chapitre 5 versets 11 et 12, la croix montre une bon Dieu fidèle, les fait nous bien avec encore. Mon qui l'a pour servir, ses amis, pasteur Marionel Simon. Pour préparer cœur pour recevoir le prédicateur de la parole de Dieu, nous pour quitter avec l'artiste Stéphanie Saint-Surin qui va chanter pour nous musique ça qui gagne pour titre Moins son Eli. Joseph, mon Dieu qui est tant pour moi. Yeah.
mais pour le connaître, il y a invité au métro disponible et disposé pour tenter qui sa bon Dieu t'est réservé, préparé pour planifier pour moi-même avec vous, capable bénir à travers canal serviteur li, le révérend pasteur Monel Alcira. Chers amis de la radio télé 4VEH, moi salue nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi pour me capable là avec nous dans occasion spéciale ça. Et dans cette occasion là, côté que Radio-Ra mettait tant ça à part pour dire nous que la croix lui montrer nous bon Dieu fidèle. Lui montrer nous bon Dieu fidèle parce que lui fait nous bien avec elle encore. Nous avons un texte qui va servir comme base pour le message là, c'est Romains chapitre 5, verset 11 et verset 12. M'appelez pour nous. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par qui maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et dans le message là, m'a essayé de garder ensemble avec nous quelques éléments importants, quelques considérations importantes concernant ce thème et également le texte que nous venons de lire. Chers amis, la mort de Jésus-Christ sur la croix l'y constituait, ou bien l'y fait partie de yon nan pi grand événement yo que le christianisme l'y connaît. La mort de Jésus-Christ est très importante pour bon Dieu parce que bon Dieu t'est planifié pour le capable de réconcilier l'humanité avec lui. Après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, côté que l'homme t'est voyé bon Dieu jeté pour t'est accepté la domination du diable, pour t'est campé sous l'obédience de Satan. Et ça t'est venu créer un gros problème entre l'homme avec bon Dieu. Depuis lors, l'humanité, par le biais d'Adam, comme dit le verset 12, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Mais Gemoun Kab dit c'est injuste. Mais Noël, lorsqu'il y a un papier original dans le monde, qui a une rature, et que elle fait photocopie original là, et bien toute copie yo a sorti avec même rature là. Il est clair que par le fait que nous souchons dans Adam comme ancêtre, comme premier parent, donc toute l'humanité qui va venir après là a bien même problème de péché que Adam lui-même il était gagné. Et il est clair pour dire que le péché s'est étendu à tous les hommes. Donc, tout le monde séparé de Dieu dès le départ. Et nous avons regardé ça au verset 10, il a même montré que nous étions ennemis. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Chers amis, le nous lit verset ça, lui montrer nous clairement que l'homme t'est venu tourner ennemi bon Dieu. Et l'apôtre Paul, il a continué à écrire, il a écrit chrétien Philippiens, dans Philippiens 3 verset 11, il dit, en pile dans le monde même, a marché en ennemi de la croix. Cela veut dire des gens qui donnent l'apparence de servir Dieu, mais au fond, ils n'ont pas dans bon Dieu véritablement. Yo là, y a montré c'est mon bon Dieu, c'est amis bon Dieu, mais en réalité, ils sont des ennemis de la croix. Et chers amis,
C'est là tout le problème que bon Dieu voulait résoudre. Le problème de l'inimitié de l'homme avec lui-même. Et plus loin, dans Colossiens chapitre 1er, le verset 21, « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos paroles, par vos œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Vous voyez, vous qui étiez autrefois étrangers. Ça veut dire nous t'es l'ennemi. Nous pas de monde bon Dieu. Eh bien, le Seigneur Dieu, le Père, le Créateur, depuis lors, leur travail pour réconcilier l'homme avec lui. Nous t'es ennemi, nous t'es étranger. Nous pas de monde bon Dieu. Et bon Dieu travaille dans le corps de son fils Jésus-Christ, par la croix de Christ, pour le réconcilier nous avec lui. Et la croix de Christ, l'Ipalvine fait nous passer d'ennemis à amis, bon Dieu. L'Ipalvine fait nous passer d'étrangers à gens de la maison de Dieu. Et si nous retournons dans Éphésiens chapitre 2, le verset 16, n'après bon Dieu travaille de sorte que lui détruit cette inimitié. Le verset 16, lui dit nous, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. C'est la croix de Christ qui pourra le détruire cette inimitié qui était établie entre Dieu et l'homme. Le choix mauvais, malheureusement, que l'homme t'a fait. Et là, nous regardons tout ça, nous, ouais, lui nécessairement prouver que bon Dieu, lui son bon Dieu fidèle, parce que dès la création, bon Dieu pas créé l'homme, lui pas destiné à la perdition, non. Bon Dieu pas destiné l'homme au châtiment, bon Dieu destiné l'homme à la vie éternelle. Jean texte l'a dit dans Romains 6, verset 23, quand elle dit, car le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, c'est pour ça bon Dieu destiné l'homme. Parce que l'étape totalement absurde pour mon Dieu éternel, pour le créer l'homme, pour l'homme un petit moment et puis le disparaître. Bon Dieu, destinez-nous à la vie éternelle. Il n'est pas jamais destiné nous. Il ne nous aurait jamais destiné à la perdition éternelle, mais à la vie éternelle. Et pour cela, il a fallu que nous réconcilier avec mon Dieu par la croix de Jésus-Christ. À nous approcher message la plus près. Pour nous comprendre plus de bagailles toujours. Premier bagaille que nous avons regardé dans le message-là, c'est le moyen de la réconciliation. Si nous avons parlé de réconciliation, nous disons oui, bon Dieu, réconciliez-nous avec lui, les bons moyens. On nous retourne encore dans Romains, chapitre 5, là. On nous retourne dans verset 11, là. Et puis, il est clair pour nous montrer nous le moyen de la réconciliation. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Texte la clé pour le dire que nous obtenons la réconciliation par le truchement de Jésus-Christ, par le biais de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par lui-même que nous jouons une réconciliation. Chers amis, là, nous retournons dans Colossiens chapitre 1er, t'as l'air d'ablir lui, même de dire non, m'a besoin après. Dans verset 20, hein, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. En faisant la paix, vous le dites, au monde qui était l'ennemi, finalement, me râler le vinzami, moi, nous fait la paix. Par qui ça? Par le sang de sa croix, par le sang de la croix de Jésus-Christ, côté il a été pendu à la place de l'homme. Et chers amis, n'après comment bon Dieu maintenant, il pourra changer la relation du pécheur avec lui-même par le moyen de Jésus-Christ. Automatiquement, Jésus pourra rentrer dans la vie, ça, il pourra être transformé. Il pourra dire non, ou pas même monde encore, ou vin qu'on y a, zami papam. Ou avez un ami bon Dieu, ou avez un monde bon Dieu. Et qu'est-ce que Jésus-Christ lui-même il a fait? Ça le fait. Ça le fait, il est venu, et puis il baille tête comme un substitut. À ma place, à votre place, c'est lui le moyen de la réconciliation. Sans ça, pas de la réconciliation. Parce que ce qui a été fait dans le jardin d'Éden,
Ce bagage qui dit, mon Dieu, pas là-dedans, comme vous voulez le jeter. M'accepter la domination du diable. M'accepter que les démons, maintenant, c'est eux qui guident, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui font me faire quoi que ce soit. Mais maintenant, comme bon Dieu remet nous et qu'il voulait, en tant que Dieu fidèle, ramener nous à lui-même, il a utilisé ce moyen parfait qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas n'importe quel moyen. Parce que le sang qui devait être versé, t'es supposé, il y a un sang pur, il y a un sang sans tache. Et qui sacrifiait quand il est venu? Colossiens 2, verset 13 à 15, n'après ce qu'il a fait. Verset 13, il a dit nous, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Moun qui était mouri, moun qui était étranger, moun qui était l'ennemi, par qui ça? Par nos offenses, par nos péchés, par l'incirconcision de notre chair, par toute mauvaise action que la chair te fait nous faire. Mais Christ est venu, et quand il est venu, bon Dieu dit, là, il fait nous grâce, et là, il fait nous grâce, qu'est-ce qu'il fait? Il a effacé l'acte, verset 14, dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Quand Christ est monté à la croix, ces vieux papiers condamnation, papier qui fait nous ennemis, bon Dieu, c'est lui qui a le cloué là. Il chire, désormais, il dit, vous êtes libres. Et verset 15, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement spectacle en triomphant d'elles par la croix. Parce que l'ennemi, ça, qui te mettait en bas de domination, qui fait nous ennemis, bon Dieu dit non, par le moyen de Jésus-Christ, m'a terrassé cet ennemi-là. Et c'est pourquoi le diable n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu. Parce que, en réalité, il n'a pas gagné pour le faire quoi. Ce qui a été fait à la croix, mettez le chaos. Il terrassait le diable. Et plus loin, l'apôtre Paul parlait de la réconciliation en ce thème. Allez dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, arrivé jusqu'au verset 20. Après, comment Paul parlait de réconciliation? Verset 18, 2 Corinthiens chapitre 5. Dans verset 18, là, il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dame, qu'on commence à noter dans ce texte que l'œuvre de la réconciliation, c'est une œuvre totalement divine. Ce n'est pas moi qui reviens réconcilier, venir chercher bon Dieu. L'homme est tellement mauvais. L'homme t'a choisi, fait toute bagaille qui mal. Non. Si me réconcilier avec bon Dieu aujourd'hui, cela ne vient pas de moi. Cela vient de Dieu qui m'a réconcilié avec lui. C'est ça l'apôtre Paul dit, ah oui. L'elle dit, c'est pour nous glorifier en Dieu. Ça veut dire, pas qu'à frapper l'estomac. Non. C'est bon Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné aussi le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Je reviendrai sur ce texte durant le message, on en aura besoin. Mais pour l'instant, sachez que c'est bon Dieu qui prend l'initiative là pour changer la condition du pécheur. Ou pas qu'à changer tes tout, ou pas qu'à faire rien pour tes tout. Non, j'aurai à ce constat où il y a nature pécheresse là dans où, seul les où soumettre la vie. En bas, mais mon Dieu t'a transformé le pécheur. C'est bon Dieu qui a approché de lui-même. Qui nous quitte éloigné, c'est bon Dieu qui a cherché. C'est bon Dieu qui t'a dit dans le jardin, Adam, où es-tu? C'est bon Dieu qui prend l'initiative là pour l'accueillir nous dans une relation juste, profonde, amicale, paternelle avec lui. Bref, c'est bon Dieu qui te prend décision pour le capable de réconcilier les hommes avec lui. Mais ben, bon Dieu, gloire, c'est lui qui a fait cela. Le moyen de la réconciliation, les textes que nous avons lus dit clairement, c'est Jésus-Christ. Deuxième élément, c'est la méthode de la réconciliation. Si bon Dieu a réconcilié les hommes avec lui, il y a une façon que le fait. Il y a une méthode que l'on peut utiliser pour le capable faire.
Et la méthode que bon Dieu pourra utiliser pour reconduire l'homme dans une nouvelle relation avec lui, pour le reconduire le monde dans l'intimité encore, c'est leur offrir le pardon. Offrir à l'homme le pardon. Pour qui ça? Parce que l'homme est séparé de Dieu à cause de leurs offenses. Tellement fait bagaille qui mal, il est séparé de Dieu. Et maintenant, l'homme étant incapable de payer la dette du péché, Dieu a envoyé un substitut vienne prendre place l'homme. Non. Et ce substitut, il s'appelle Jésus de Nazareth. La lourde dette du péché que l'homme t'a gagné, il n'est pas capable. Regardez ce que dit le prophète Ésaïe en Ésaïe chapitre 53, verset 4, verset 5. Regardez, le verset 4 l'a dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, qui nous aide à nous réconcilier avec Dieu, ce châtiment-là est tombé sur Jésus de Nazareth. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous avons la paix avec Dieu aujourd'hui, grâce à Jésus de Nazareth, qui était venu prendre notre place, qui était venu nous offrir le pardon. Chers amis, oui, c'est important. Pourquoi le pardon? Pourquoi pas une autre chose? C'est parce que, en Ésaïe, chapitre 59, soit le pied devant, dans verset 1er 2, l'a dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Alors là, ils ont utilisé ça comme, en théologie comme des anthropomorphismes. Ça veut dire, ils ont façon de décrire l'homme, parce qu'on est clair que bon Dieu, il est esprit. Donc, en tant qu'esprit, Dieu n'a ni chair, ni os. Donc, là, utiliser la main de l'Éternel, les yeux de l'Éternel, l'oreille de l'Éternel, etc. C'est pour être capable de ramener bon Dieu dans le niveau de l'homme et aider l'homme à comprendre bon Dieu. Puis bien, il y a des anthropomorphismes. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Mais dans verset 2, il parle dit, ce qui est le problème qui gagne, ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché sépare l'homme de Dieu. Le péché fait l'homme venir ennemi, mon Dieu. Et maintenant, quand bon Dieu voulait réconcilier l'homme avec lui, premier bagage qu'il fait, c'est offrir l'homme le pardon de ses péchés par le moyen de Jésus-Christ. Et même à la croix, vous le voyez, Jésus-Christ étendu à la croix, les mains, les bras ouverts, et prononça cette merveilleuse parole. Et ma parole, ça, on l'a prononcée. Qui ça l'a dit? Premier bagage, le Seigneur Jésus-Christ fait son requête de pardon, son prière de pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Oui, parce que Jésus-Christ estimait que l'homme besoin le pardon plus parce que toute bagaille qui existait. Chers amis, et c'est vrai, je dis à certains prédicateurs, prêchent la prospérité. Je n'ai rien contre la prospérité. Nous avons besoin de l'argent. Nous avons besoin de la richesse, nous avons besoin des maisons, côté pour nous dormir, machines pour nous rouler, etc. Mais la priorité des priorités, c'est la condition de l'homme avec Dieu. La priorité des priorités, c'est la relation profonde de l'homme avec Dieu. Bref, pour nous gagner priorité, ça, il faut que nous pardonnions. Pour nous gagner relation, ça, il faut que nous pardonnions. Et c'est ça que fait. Jésus n'avait pas demandé de richesse pour les gens. Il n'a pas demandé de guérison pour eux. Il n'a pas demandé victoire pour eux, sur le monde qui a persécuté eux. Il n'a pas demandé pour bon Dieu manger pour eux. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui demande pardon. Parce que le pardon pour aller trop du l'homme encore dans la présence de Dieu, faire des ennemis que le terrain, lui vient passer à amis. Et Noël, le psalmiste David, le roi David, au psaume 103, pendant que la font prière d'action de grâce, la remercier bon Dieu pour toute bagaille, avant de commencer à remercier bon Dieu pour manger,
pour l'argent, pour royauté, pour position. Regardez qui premier bagage il fait. Verset 2. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Et bien la cité les bienfaits de l'Éternel. Premier bagage David cité. Il dit c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Alléluia. David pral vin dit l'autre bagage après. Regardez le texte là non. Il pral dit après, c'est lui qui guérit toutes tes maladies, ça c'est après. C'est lui qui délivre ta vie de la force, après. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde, après Pirède. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, après. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle, tout après. Mais la priorité des priorités pour le roi David, pour le psalmiste, la priorité c'est le pardon. Parce qu'il sentit que s'il pas te pardonner, pardon, rien à ça, tu as vu. Ouais, ouais. Là, il finit de citer pardon. Il dit, fin dit merci, pardon. Ouais. Il cite tout l'autre parce que depuis relation avec bon Dieu, il est correct. Depuis ses amis, bon Dieu, la vie n'a pas qu'à traîner à jamais net. Depuis ses amis, bon Dieu, ou à traîner en relation avec bon Dieu. Depuis son véritable chrétien, même qui est vraiment converti, ou pas qu'à être à tes plaques la net. Non. Il y a un jour pour à terre, mais pas qu'à terre tout le temps. Tout existe en dessous. Ce n'est pas plein ça, bon Dieu, pour vous. Bon Dieu, vous plein de bonheur. Il l'a déclaré clairement par la bouche du prophète Jérémie. En Jérémie chapitre 29, au verset 11, il a déclaré à Israël. Il dit, plan que me forme pour nous, projet que me pour nous, c'est un projet de paix et non de malheur. C'est un projet de bonheur. C'est un projet de promotion pour me lever nous en l'air. Mais ce n'est pas à terre pour nous rester. J'avais le psalmiste au psaume 113 dit, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec le grand de son peuple. Ça veut dire, bon Dieu, c'est monde qui qu'on leve monde, qui, en dignité, leve monde à terre, mettez en l'air, mais fuck relation avec bon Dieu, il marchait. Comme on tableau, baguette, pièce relation avec bon Dieu, et pour obtenir. En plus, monde marchait dans le jeûne, levé, en l'air, fait demande, fait prière de demande, alors que, yo bon bagaille. Qui barre, yo gon bagay qui imperméable, qui nan yo qui barre relation avec bon Dieu. Et puis on marche, mandé, pour bon Dieu bon petit, pour bon Dieu bon kay, pour le bon visa, pour le débloquer résidence, qui relation avec bon Dieu. La priorité d'abord, c'est ma relation avec Dieu. Parce que le pardon, il peut mener derrière plusieurs bagailles. Nous sommes dans Somme 103. Mais tout particulièrement, quand le Seigneur Jésus-Christ vient offrir le pardon à l'homme ennemi pour le réconcilier avec bon Dieu, une grande bagaille qu'il fait, c'est justifier l'homme. Le pardon amène la justification. Dans Romains chapitre 3, verset 24, mais qui ça nous lire? Verset 24, Romains chapitre 3. Dans verset 24, là, nous lit ça. Il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ça c'est une sorte de redondance, mais qui renforçait le texte gratuitement, justifié par sa grâce encore. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est travail, ça, le Seigneur Jésus-Christ vient faire. Et puis l'apôtre nous accompagner le pardon, la justification. Qui ça la justification y est? La justification, c'est le fait de déclarer un coupable désormais non coupable. Ou tu es coupable, mais il est déclaré non coupable. Je me rappelle pour les gens qui ont regardé le film Passion du Christ. Le nous regardons, nous avons un personnage utilisé comme Barabbas dans le cinéma. Ça. Là, on vient avec un papier. Il dit, c'est Christ qui est condamné, parce qu'il est utilisé comme Christ là. C'est Barabbas qui est libéré. Malgré soldat, qui est même chez nous, chaîne toujours. Mais monsieur senti tellement libéré, pas dans rien qu'à faire contrôler encore, il fait soldat au grimace. Malgré le même soldat toujours, mais il connaît papier ça qui dit que c'est lui qui est libéré. Grâce à papier soldat, pas qu'à faire rien encore, parce que désormais, papier a justifié. C'est effectivement ce que Christ est venu faire. Leur offre-nous le pardon. Premier bagage, il fallait justifier nous. Pour nous retourner dans la présence de Dieu,
faut que les gens qui passent, qui payent la dette là, et qui déclarent que désormais vous n'êtes plus coupable. Non coupable. C'est la justification. Je suis déclaré non coupable. Grâce à celui qui a payé la dette, grâce à Jésus-Christ de Nazareth, je suis déclaré non coupable. Et c'est ça, toute notre justice, nous venons à travers Jésus-Christ. Ou gen d'agon muraille qui sale. Mais sou met un bel rideau à fleurs, yon bel rideau blanc sous lit, le monde paraît, moun n'a pas un muraille là. Mais l'oué bel rideau là. Bref, la beauté de la muraille se voit à travers le rideau, bel rideau là. Et bien toute notre justice se voit à travers Jésus-Christ. Gen un monsieur qui t'a évangélisé, pendant la évangélisé, la dit mon Dieu, bon Dieu remet nous, viens accepter Jésus comme sauveur. Et puis, madame, qui dit, non, monsieur, moi-même, pas n'a fait Jésus même. Parce que je fais trop de crimes. Je fais trop de bagages qui mal. Jésus pas besoin. Monsieur a dit, madame, vos paroles aujourd'hui là sont gros vérité, oui. Le Seigneur pas besoin de monde qui fait bagages qui mal vrai. Et madame n'a dit, même pas comprendre. L'autre monde qui qu'on a prêché, elle me dit on me fait pas qui mal, il dit non, prends courage, bon Dieu besoin où c'est sorti. Me pas comprendre ça veut dire. Mais ça dit oui madame. Bon Dieu pas besoin monde qui fait bagarre qui mal. Ouais, bon Dieu tellement saint. Toute quantité bagarre mal ou fait, yo décomposé bon Dieu pas qu'à garder yo. Ça que bon Dieu pas jamais garder à toute bagarre mal qu'on fait yo. Mais monsieur a dit, ce n'est pas fini, bon espoir. Sous besoin, bon Dieu, ou abandonne Jésus-Christ. Et automatiquement, qu'on a Christ, les bon Dieu a gardé, c'est pas où l'a gardé, mais l'a gardé Jésus-Christ. Et les bon Dieu a gardé Jésus-Christ, les ont juste à travers Jésus-Christ. C'est ça qui fait nous carrer un rôle à ça, bon Dieu nous carrer bien avec encore, parce que nous sommes juste à travers Jésus-Christ. Non. Nous ne sommes pas justes parce que nous la prions en pile, parce que nous marchons en prière, en jeûne, en veille de nuit, parce que nous faisons 3 jeûnes, 7 jeûnes, 7 plongées de Naaman, 21 jours de Daniel. Non, c'est pas ça qui fait nous justes. Tout ça, c'est en pile là, c'est des théâtres que nous avons fait. C'est pas eux qui justifient nous. Nous sommes justes automatiquement que nous entrons tout le monde en Jésus-Christ. Jésus-Christ déclare nous non coupables. Et désormais, les bons dieux ouais nous, lui nous à travers Jésus-Christ comme juste. Non seulement le pardon amène la justification, mais le pardon amène aussi l'adoption. Ouais, nous t'es perdu place dans la famille, bon Dieu, rebaille nous place là. Quoi. Allez avec moi dans Galates, chapitre 4, verset 4-5. Dans Galates, chapitre 4, verset 4-5, la parole de Dieu dit ça. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, la parole de Jésus-Christ. Pour qui ça? Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Peut-être pour bon Dieu adopter nous. Adopter nous, vous l'avez dit, lui remettez nous encore dans une relation familiale. Grâce à la croix de Christ, nous sommes à nouveau introduits dans la présence de Dieu, dans la famille de Dieu, nous qui étrangers. Et désormais, qu'est-ce qui se passe? Dieu est notre Père. Alléluia. Waouh. J'ai le PDG de l'univers comme papa. Ouh, ça c'est gros causé. Ce n'est pas n'importe quoi ça. Le propriétaire directeur général de l'univers, c'est lui mon papa. Parce que j'ai été adopté de sa famille désormais. Nous sommes ses enfants. Et pas de kin papa qui a bleu mal pour petite li. Non. Même s'il t'a châtié petite là, il a traité le dur, c'est pour bien petite li. Quelle réconciliation. Quelle réconciliation. Et comment Christ fait? 1 Pierre 1er verset 18-19 a expliqué nous clair qui ça Christ fait. On en a avec moi. C'est la Bible qui n'a rien. L'ouvre verset 18-19. Dans 1 Pierre chapitre 1er, il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or,
que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Non. Que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ. Il mettait précieux là-dedans. Parce que c'est effectivement un sang pur et sans tache. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est sans ça qui rachète nous. Est-ce que vous même capitaine de Mesco, la valeur du sang de Jésus? Sans Jésus, pas un bagage pour prendre marqué sur machine, le sang de Jésus. Ou marqué sur le topo tout, le sang de Jésus. Ma période Covid là, il y a plus de monde qui marquait, qui n'a pas de sang de Jésus sous porte. Il y a allé marqué sang de Jésus sous porte, justement pour dire que Covid n'a pas droit d'entrer là. Eh bien, ok, on met marqué le sang de Jésus, mais si vous ne respectez qu'un principe qui pour empêcher ou prendre Covid là, on va infecter quand même. Malgré vous mettez le sang de Jésus sous porte. Non, le sang de Jésus par là, pour marquer sous business, comme si business a prospéré, l'a grandi. Non. Et le sang de Jésus par là aussi, pour fouer le chanter, la gagne comme une bio. Non. Non. Où est-ce là, parce que moi parle. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables que nous venons justifier, que nous venons adopter, que nous venons rentrer encore comme amis, bon Dieu, comme petit bon Dieu. Non. Ce n'est pas par de l'argent ou bien de l'or. Bah, ça périssable. Non. Non. Ni de la veine, que bon Dieu rachète de la veine manière de vivre, que nous t'héritons de. En cette nuit, il dit c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang de Jésus par là pour bailler mon madichon avec. Non. Il par là pour dire côté il tombe, Jean passé, le passé, ça le touille, il touille. Non. Il par là pour ça. Il là parce que Christ est versé pour le rachat de chacun de nous, pour que désormais nous cabie avec mon Dieu encore. C'est juste ça. Pour la rançon de chacun de nous. Il paye d'être là. Le moyen de la sanctification, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Depuis où c'est le monde qui convertit tout bon, vous mettez la vie à passer par des tempêtes, des situations difficiles, vous mettez arrêté en place. Parce que Dieu, il part quitte à terre net. Depuis relation avec bon Dieu, il est correct, il marche bien. Bon Dieu fait plein pour le ramasser ou pour le lever. Alléluia. Le moyen de la réconciliation, nous citons encore, c'est Christ. La méthode, c'est l'offre du pardon à chaque monde qui a besoin. Maintenant, le moment de la réconciliation, monde qui par la foi, repentit, accepter Christ comme sauveur, comme Seigneur, comme maître, yo automatiquement réconcilié avec bon Dieu. Alléluia. Il suffit de répondre à l'appel de la réconciliation. Même Jean lui dit dans Hébreux chapitre 4, regardez verset 7 là pour eux. Quand elle a dit, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant de David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Depuis bon Dieu fait appel à vous-même pour venir joindre, pour réconcilier avec lui. Pas négliger ça. Et quoi le prophète Esaïe t'a parlé de ça dans Esaïe 55. Dans Esaïe 55, le nom allait dans le texte là, mais qui ça nous ouais. Il y a un appel qui a fait pour moun vin joindre bon Dieu, pour retourner, vin chercher bon Dieu. Qui ça dit dans verset 6 là, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Dieu n'est pas loin. Dieu est prêt. Dieu est prêt. Et puis le verset 7 là, on conseille que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Ce qu'il vient réconcilier avec mon Dieu encore. Qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Bien mon l'offre fait lui un bagage qui mal. Eh bien, il déclare clairement, il finit avec. Et c'est tout bon le fin avant vrai.
Cependant, malgré tout ça nous fait bon Dieu qui mal, bon Dieu a cherché nous. L'Éternel nous vient réconcilier avec encore. Le moment c'est maintenant, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Automatiquement, tant de voix, bon Dieu, c'est fini pour venir réconcilier avec elle. Bon Dieu attend uniquement la foi du pécheur. Lui pas mandon rien, faire confiance, accepter. Qu'on appuie sur lui. D'accord, qu'on fait route là avec lui. Et réconciliation possible. Même Jean avec Paul qui te dit soyez réconcilié avec Dieu. Moi t'a aimé chacun de nous réconcilier qu'on y a avec bon Dieu. Gardez ça dit dans Apocalypse chapitre 3, dans verset 20. Apocalypse chapitre 3. En adressant ses lettres aux églises de l'Asie mineure. Dans Apocalypse 3, verset 20. Vous regardez ça ensemble avec moi. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Dieu s'adressait à une église froide, une église tiède. Une église tiède, on nous dit tiède. Une église mi-figue, mi-raisin. Une église qui n'est pas ni chaud ni fouette. Et le Seigneur dit, moi besoin vous chercher, m'a frappé dans la porte là. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre. Et ouvre la porte. Qui ça m'a fait? J'entrerai chez lui. Relation. Je souperai avec lui. Relation pirède. Et lui avec moi. Yon a fond dans l'autre. N'a besoin mis encore. Est-ce qu'on va manger la caille moun qui l'aide mieux? Est-ce qu'on va souper la caille moun qui l'aide mieux, moun qui passe mieux? Non. Pour manger la caille moun folle zamiou. Pour souper avec moun folle zamiou. Et bien le Seigneur dit, nous t'a remé pour l'ouvrir porte la bonne rentrée. Pour nous réconcilier. Et comme ça, m'a mangé avec vous, m'a soupé avec vous, m'a demeuré avec vous, ou arrêté avec moi, m'a fait demeurer moi la caillou, m'a pas plus passager, mais m'a plus un monde qui arrêté, qui demeurait avec vous. D'ailleurs que désormais, vous prenez l'initiative ça, pour développer cette relation avec bon Dieu, qui pas m'a donné rien que la foi, accepter ça par la foi. Et vous avez une relation amicale. Ou avez une relation familiale. Seulement acceptez l'invitation maintenant et vous serez réconciliés. Et même si, en plein monde l'église, depuis toujours, depuis combien de temps, mais sous pas jamais un vrai croyant qui développe une véritable relation avec le Seigneur, sous pas jamais un croyant authentique, c'est le moment ou jamais pour capable de réconcilier avec le Seigneur. C'est le moment où jamais pour capable quitter mon Dieu, rentrer la caillou. C'est le moment où jamais pour capable quitter mon Dieu, développer avec vous cette relation familiale. Alors avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17-18, Paul t'a exhorté les Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 6, verset 17-18, il dit qui ça? Mais qui ça le déclaré? Dans verset 17 et verset 18, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sorti parmi moun en sayo, il était temps expliquer puis roi qui les soyez ou capable en séparez-vous dit le Seigneur, la demande de séparation totale, la demande de consécration totale, ça va mouiller, c'est pour mouiller, c'est pour vous venir joindre. Et puis il dit ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai, je serai pour vous un père. Alléluia. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le Dieu Omnipotent qui prend la parole là, qui a le pouvoir de changer les cœurs, de transformer les humains. C'est lui-même qui parlait là. Debout d'accord. Invitation. Lui-même tout le paraît pour le capable de développer cette relation avec vous. Et au contraire, qui est belle dans la relation ça, où c'est principal bénéficiaire. Parce que dès avant la fondation du monde, Dieu a préparé pour vous de multiples bénédictions. Il y a là seulement besoin d'entrer en possession. Mais pour entrer en possession de sa bénédiction, votre relation familiale avec votre père, il doit marcher. Si la relation pas marcher avec papa, ou papa jouit privilège. Les privilèges sont là. Développez cette relation avec votre père maintenant, le moment. De la réconciliation, ce n'est pas plus tard, c'est maintenant. C'est maintenant.
Dieu a fait le kounia. Et au final, la mesure de la réconciliation, nous avons retourné avec moi dans 2 Corinthiens 5 ans. Nous avons relire les versets 18, arrivé dans verset 20. Dans verset 18, avait dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est le texte que l'apôtre Paul dit, parler avec chrétiens corinthiens. Et nous parlons, non seulement, bon Dieu, réconciliez-nous avec lui, par le moyen de Jésus-Christ, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, mais aussi il nous confie le ministère de la réconciliation. Il nous faut faire la fonction d'ambassadeur. Ou qu'on est ambassadeur, pas n'importe qui. Oui, mais un ambassadeur, c'est une personne qui servit pays à l'étranger. Mais on ne choisit pas un enfant, un bébé, un adolescent comme ambassadeur. Vous choisissez un monde qui a l'âge mûr, un monde qui a maturité. Ça veut dire n'importe qui pas qu'un ambassadeur, tant que ce monde qui a maturité spirituelle, qui est rentré totalement dans Christ, qui a servi mon Dieu réellement. Eh bien, cet ambassadeur a la noble tâche pour inviter l'autre monde pour venir réconcilier avec Dieu. C'est votre tâche là. Car, bon Dieu, pas jamais suspendre, chercher l'homme. Dieu cherche encore aujourd'hui, la chercher l'homme. Où es-tu depuis en Adam? En Ézéchiel 30, il dit, Dieu cherche un homme. Aujourd'hui encore, Dieu cherche un homme. Christ vient et dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu cherche un homme. Et désormais, la sainte colère de Dieu pourra l'apaiser envers l'homme. Mais c'est pour l'homme ça d'accord pour venir réconcilier avec bon Dieu. Même Jean-Paul t'a dit, il y a un texte que je cite déjà, que je lis déjà, que je vais lire encore dans Colossiens chapitre 1er. Ou quand même lire les versets 20 à 22. Le verset 20 dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Bon Dieu, voulait par Christ, voulait par Christ, réconcilier tout avec lui, l'humanité tout entière, les hommes en général, ou même captant des mains. Bon Dieu a sonné ce message de la réconciliation. Soyez réconciliés avec moi pour votre bien. L'ambassadeur a cette noble tâche pour continuer de travailler ça. Relais, parle avec nous. Pour venir réconcilier avec papa. Gloire à Jésus. Et la réconciliation de Dieu Noël dans ce texte s'étend à tous les hommes, sans exception de personne. Ça fait yon ambassadeur pas qu'à nos partisanerie. Il n'y a pas qu'à faire exception, il n'y a pas qu'à voir les gens jeter. Il n'y a pas qu'à dire pas besoin de monde. Yon ambassadeur, moun qui a fait fonction d'ambassadeur, il n'y a pas capable à bailler l'autre monde madichon. Il n'y a pas capable de dire, c'est pour tel mourir, m'a voyé dit fait la caille moun. Dit fait. Non, ambassadeur n'a pas qu'à faire ça. Non. Oh, au contraire, gardez sa crise. On a dans Matthieu 5, non, pour qui sa crise. En plus de fois, nous pensons que c'est le monde qui parle, ouais, non. Ça fait ça que le monde n'a aucun problème. N'a pas voué édifier sur le monde pour aller bouler, inonder. Mais gardez sa crise dans Matthieu 5, verset 44-45. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis.
Voici, mais ça, c'est ça que l'évangile réconciliation. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous persécutent, qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pour quelle raison? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si bon Dieu t'es méchant, si bon Dieu t'es fait exception de monde, il y a des choses qui ne peuvent jamais bénéficier. Est-ce que la pluie tombe et tout le monde bénéficie? Oui. Faites tout ce qui est en votre pouvoir, chers amis, pour aider l'autre monde réconcilié avec Dieu. C'est ce que nous appelons la mesure de la réconciliation. Car votre réconciliation avec Dieu se voit à travers votre travail de réconciliation des autres avec Dieu aussi. C'est qu'on s'allie, oui. C'est ça qu'on fait, genre, pour aller de l'autre monde réconcilié avec Dieu, qu'on fait mesurer que vous-même, vous sommes qui réconcilié avec Dieu. C'est ça, bon Dieu, attend. Nous sommes ses représentants dans un pays étranger. Donc, plus les citoyens qui sont dans le pays, ils ont besoin de réconcilier avec papa, avec le gouvernement. La réconciliation avec Dieu par notre moyen, l'idée étant à tous les hommes. Paul a même envie ça. Dans Romains chapitre 1er, dans verset 5, lisez sa déclaration. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour emmener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Il dit tous les païens, sans manquer un de ses désirs, ça qu'il gagne. Il t'a amené tout venir à l'obéissance de la foi. Et aujourd'hui encore, tous nous avons travail pour nous faire. Qui s'allier? C'est faire tout ça qui dépend de nous pour nous amener à l'obéissance. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est là que votre réconciliation avec Dieu se mesure. Regardez, non. Comment on peut le faire, dit un tel bon Dieu voulait, pour le réconcilier avec elle, pendant ou même ou l'ennemi avec lui. Pendant ou même ou pas dire le bonjour. Pendant ou même ou dans même quartier ensemble avec lui. Ou méchant. Ou vivre à l'aise, ou vivre bien. Ou bien tout ce qu'il faut. Si moun ni, a couru dans la rue, sans bout de pantalon, sans sandales dans le pied, le grand goût, ou est blanche. Quelquefois, je t'ai mangé le matin. Mais je dormi comme ça. Comment on pourrait le faire, dit mon Regardez, regardez, comportement ou même, comme réconcilié avec Dieu, doit faire un impact sur le monde qui a suivi vous. Peut dire, oh, comme ça, il faut réconcilier avec Dieu moi-même aussi. Je peux être un membre de la famille de Dieu. Est-ce qu'on a fait ça? Est-ce qu'on a prêché son page? J'aime l'ouvrir la Bible. Est-ce que le comportement est prêché? Je me rappelle moi un témoignage d'un pasteur ami qui vit à Saint-Domingue. Monsieur t'a expliqué moi l'homme tel la Kaili. Il t'a expliqué comment lui-même, avec madame, il est arrivé dans le pays, mais il a une difficulté de langage. Parce que beaucoup ne parlent espagnol là. Mais seul ça au café, pas qu'à évangéliser le monde. Maintenant, 400 contre l'ETA, ils vivent comme un modèle, ils vivent bien. Ils sont avec l'autre. Et tout près, il y a un soldat, un sergent, dans l'armée dominicaine, avec madame Lee, qui ne vit bien du tout. Tout jour, on a joué. On leur. Madame n'a dit, monsieur, pour qu'ils ne soient pas traités, genre un tel, traité madame Lee. Il y a l'autre leur. Monsieur a dit madame non, pour qu'ils ne soient pas respectés, j'ai madame et elle respecté Maril. Ça veut dire deux mouns ont commencé à faire un pack. Malgré qu'on n'a pas parlé espagnol là, pour dire que Jésus est meilleur, mais comportement, comme moun qui réconcilie avec Dieu, par impacter moun yo. Et comme l'évangile l'a fait cousli, chaleur l'évangile l'a dit, tellement captivant, il râle madame non, fait une convertie. En l'autre moment, madame a tellement vive bien que Maril. Eh bien, lui râle Maria. Maria a fini converti tout, oui. Lui râle Maria, Maria a fini converti. Madame ne converti, Maria a fini converti. Maris a fini prendre promotion dans l'armée dominicaine. Lui vignon major.
Il y a un soldat sous lui. Et il s'est évangélisé. Il y a 70 soldats qui acceptent Christ comme sauveur. Parce que ouais, un major, un monde qui réconcilie avec Dieu. Il dit nous-mêmes tout. Nous sommes capables de réconcilier. Chers amis, la mesure de la réconciliation, c'est à travers votre vie que nous pouvons mesurer. Est-ce qu'on réconcilie tout le monde avec Dieu? Si oui, ça doit faire un impact sur l'autre monde. Moi, j'espère que, à travers ce message, côté la croix, a montré nous, bon Dieu, fidèle, parce qu'il fait nous bien avec lui encore, parce que nous réconcilions avec lui, moi, j'espère que, si ou pas qu'on réconcilie avec lui, ou prend décision tout de suite. Et si vous êtes un monde qui te réconcilie avec le déjà, qui sauve, qui libère de vos offenses, eh bien, moi, j'espère qu'on pourra vivre désormais comme un monde qui réconcilie avec bon Dieu tout bon, et que la ville prête pour le capable faire un pacte dans la communauté, dans la zone, dans l'église, dans le travail, dans la rue, n'importe quoi. Puis on dit, si et tel comme ça, moi-même tout, je vais servir bon Dieu. Que le Seigneur est capable de couvrir chacun de nous avec grâce li, et que le bénisse nous abondamment. Nous espérons que nous avons été édifiés à travers la prédication pour le bon Dieu aujourd'hui avec le révérend pasteur Monel Alcira qui t'a montré nous que la croix montre un bon Dieu fidèle, le bon Dieu fait nous bien avec elle encore. Mes amis, pour ça nous fait, nous t'es mérité condamné. Nous t'es mérité l'enfer éternel. Mais bon Dieu, la compassion, la miséricorde, lui baille Jésus pour que moi-même avec vous, nous gagnons la vie qui n'est pas fini, nous réconcilier avec elle. C'est ça qui fait que l'on a essayé de considérer le symbolisme de la croix. Nous voyons que la croix, c'est réconciliation dans la barre verticale là, entre Dieu et l'homme. Par qui? Par Jésus-Christ. Non pas qu'à prêcher encore, parce que le message était déjà clair déjà. Nous seulement voulons faire connaître que si et seulement si, vous sentez-vous loin, vous sentez-vous seul, vous sentez-vous vivre dans la solitude à cause de péché, il y a une possibilité. Bon Dieu, baille nous Jésus-Christ, qui va permettre que nous reconstituer pour ça, qui était brisé entre nous-mêmes avec lui, qui va permettre que nous revivre avec lui encore. Il était toujours à chercher libérer nous, il était toujours à chercher sauver nous. Nous sommes besoin de volonté pour nous rentrer dans le pâturage, mettre là, comme ça pour nous capables de amis. Il n'a pas pris les noms, même serviteurs encore, mais il a pris les noms amis. Est-ce qu'on prêt pour accepter mettre là dans la vie ou? Jésus-Christ comme sauveur pourrait bien avec bon Dieu papa encore. C'est meilleur choix ou tu as fait dans vie ou zami mio. Nous disons bon Dieu merci qui t'a fait nous passer un bon moment aujourd'hui dans l'émission ainsi par l'Éternel et nous disons merci tout à pasteur Monel Alcira qui t'a quitté bon Dieu utiliser pour te bénir que nous comme ça. Mon qui était là pour te servir c'était zami ou pasteur Marionel Simon. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VH. Pour formation croyant yo et pour conversion non croyant yo. En attendant que nous rencontrions pour l'autre sortie même gens, nous demandons bon Dieu dans miséricorde li pour le faire nous tout bon vrai, sentir nous libres pendant que nous réconcilier avec bon Dieu papa. Que bon Dieu bénisse abondamment.